Alors les amis, voilà donc que je suis à la fin de la cuisson justement de mon menu mexicain. Voyez-vous, je vous avais dit que je préparais ingrédient par ingrédient et que je pouvais faire un wrap et je pourrais faire un fajitas. Et voilà les ingrédients préparés. Là vous avez les carottes, vous avez la tomate, vous avez le poivre rouge. Vous avez les oignons frits, vous avez le maïs, vous avez les échalotes, l'oignon, l'ail, et là, vous avez le blanc de poulet revenu. Et puis, vous avez les feuilles de salade que je vous présente. Et là, vous avez la galette de maïs. Tous ces ingrédients étaient assaisonnés avec le poivre de penja, le piment doux, un peu de sel, un peu de cube et un peu d'arôme. Donc, j'ai fait revenir dans ma marmite, j'ai préféré la marmite à la poêle, ingrédient par ingrédient pour obtenir ce résultat. Si j'avais mélangé tous les ingrédients, j'aurais obtenu une sauce. Le but n'étant pas de faire une sauce, alors j'ai fait revenir ingrédient par ingrédient. J'aurais pu utiliser mon wok, mais je préfère utiliser cette marmite parce que franchement elle a des propriétés qui me permettent justement de ne pas que les aliments collent au fond de la marmite. Donc du coup ça m'a donné ce résultat. Alors donc je vais vous présenter dans la prochaine vidéo mes différentes façons de les plier. Là je vais plier en wrap. Voyez-vous, vous allez reconnaître la tomate, le maïs, le poulet déjà au milieu. Vous avez les carottes, vous avez les oignons et les échalotes et l'ail revenu. Et puis là, vous avez le poivre rouge. Et puis les toutes petites graines que vous voyez là, c'est justement l'oignon frit. Voilà. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Préparer des produits sains comme ça, fait maison. J'avais perdu l'habitude, mais grâce au confinement, c'est avec plaisir que je confectionne ces petits plats. Je vous embrasse et puis on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao.